n'oublions pas les personnes qui auraient pu être des nôtres. Avec l'incertitude sanitaire, nous n'avons pas invité largement et c'est la période des congés. Nous sommes réunis pour trois motifs d'action de grâce. La fête de l'Assomption de la Vierge Marie, le jubilé de vie religieuse de plusieurs sœurs parmi nous, et la clôture de l'année jubilaire de la congrégation. En ce jour, une même prière unit toutes les sœurs de Sainte-Marie, au Burkina Faso, au Bénin, au Tchad et en France. Il y a un an, nous avions accueilli le logo de l'année jubilaire qui nous mettait en route. Souviens-toi et va avec la force de l'Esprit. Aujourd'hui, en cette fête de l'Assomption, nous recueillons les fruits de ce temps favorable, dans la joie et l'action de grâce. Jubilez tous les peuples, jubilons pour le Seigneur. Thank you.
Mais saint Paul en propose une autre lecture. Jésus est le premier ressuscité. Et aujourd'hui, Marie le rejoint dans sa gloire. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères, le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Alléluia! De louange et d'action de grâce que Marie, dans sa rencontre avec Élisabeth au jour de la visitation, laissa jaillir de son cœur. Mon âme exalte le Seigneur. Nous sommes tellement habitués à entendre ces mots, à les redire, à les chanter, que nous ne portons peut-être plus toute l'attention qu'il faudrait à leur signification profonde. En cette grande fête de l'Assomption, où nous célébrons l'entrée dans la gloire de Dieu de la Vierge Marie, en ce jour où, sœur de Sainte Marie et tous les associés, vous clôturez l'année du jubilé des 200 ans de la congrégation, en ce jour encore, où rendant grâce, vous fêtez vos sœurs jubilaires, tous ensemble, il nous faut, comme Marie, exalter le Seigneur. Grande fut par la congrégation des sœurs de Sainte Marie l'œuvre de Dieu. Grande figure missionnaire, que celle de la congrégation qui comprit qu'il lui fallait partager ses institutions, tant ses intuitions, tant spirituelles qu'apostoliques, avec des laïcs qui, avec elle, élargiraient l'œuvre évangélique et fortement impulsée depuis 2 siècles. Grand fut pour la congrégation des sœurs de Sainte Marie l'œuvre de Dieu. C'est de tout cela et de tant d'autres manifestations de puissance, de l'action de l'Esprit de Dieu que vous avez voulu vous souvenir tout au long de cette année jubilaire. Mes sœurs, frères et sœurs, en vous souvenant, vous avez rendu grande l'œuvre. C'est le moment d'appeler les jubilaires. Sœur Marie Bonneau. Oui, me voici. Sœur Joseph Bonneau. Sœur Marie-Joseph Bonneau. Me voici. Sœur Marie-Madeleine Bonneau. Me voici. Sœur Léonie Lourdeau. Me voici. Sœur Marie-Thérèse Dumont. Me voici. Sœur Janine Supimo. Me voici. Sœur Christiane Pierre. Me voici. Sœur Marie-Josette Perrois. Me voici. Sœur Madeleine Daniel. Me voici. Sœur Agnès Thomas. Sœur Marie-Josette Perrois. Sœur Marie-Josette Fleury. Sœur Odile Rocher. Me voici. Sœur Edmond Magny. Me voici. Sœur Anne-Marie Després.
redire votre désir de poursuivre le chemin, je vous invite à renouveler votre engagement. Seigneur Jésus, qui nous a révélé l'amour du Père, tu m'appelles à être avec toi, témoin de cet amour au milieu du monde. Me voici, soutenu par la foi et la prière de ton Église. Je fais vœu de marcher à ta suite dans la chasteté, la pauvreté et l'obéissance vécues en communauté fraternelle, selon les constitutions de la Congrégation des Sœurs de Sainte-Marie. Par les mains de Notre-Dame, reçois mon engagement et consacre-moi par le don de ton esprit pour la gloire de Dieu et le salut. Salut des âmes dans cette région des Vosges.
Nous te remercions aussi pour les jeunes filles qui se sont reconnues dans cette intuition et qui ont répondu à ton appel pour le service de l'Évangile et de leurs frères. Elles nous ont ainsi ouvert la voie. Bienheureux sommes-nous, sœurs de Sainte-Marie. Nous continuons à mettre nos pas dans ceux des premières sœurs. Elles ont contribué à ce que quelque chose pour la gloire de Dieu entrevue prenne forme. Soigner les pauvres malades, élever chrétiennement les jeunes filles et plus largement s'adonner aux œuvres de charité et de miséricorde. Si le Père vous appelle à aimer comme il vous aime, bienheureux êtes-vous. Bienheureux êtes-vous, vous qui nous accompagnez en ce jour, témoins de l'histoire, appelés à vivre à nos côtés l'intuition fondatrice pour répondre aujourd'hui aux besoins les plus urgents des populations. Parmi nous, plusieurs se souviennent de l'Eucharistie du 16 juillet 2020 qui ouvrait l'année jubilaire. Ce temps favorable pour célébrer le don du Seigneur fait à son Église a donné la possibilité aux sœurs de Sainte-Marie d'un ressourcement spirituel et de temps fort qui ont jalonné l'année, même si celle-ci a été un peu assombrie, entre autres, par le coronavirus. Sur l'année, une chaîne de prières a resserré nos liens entre sœurs, chrétiens associés et familiers de la congrégation. En région Burkina Faso et Bénin, l'accueil de la Vierge pèlerine dans les différentes communautés a permis d'honorer la Vierge Marie, à qui le Père Foyer avait confié l'avenir de la congrégation. Le 2 février, journée de la vie consacrée, les religieuses et religieux du diocèse de Moundou, avec les chrétiens, ont rendu grâce avec les sœurs de Sainte-Marie pour les 200 ans et les 20 ans de présence au Tchad. La première étape de la marche pèlerinage sur les pas du Père Foyer a été l'occasion pour les participants de mieux connaître les débuts de la congrégation et son évolution ici et là-bas. Au sein de nos communautés religieuses, nous avons fait un retour aux sources par le partage de figures spirituelles, missionnaires, de sœurs qui nous ont devancés et marquées par leur vie de simplicité et d'union au Christ. Elles ont su transmettre la visée évangélique du Père Foyer et sont soucis de se faire proche des populations en France et en Afrique. N'ayez aucune dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. Pour mettre en pratique cette parole de saint Paul aux Romains, le retour aux sources et la relecture de notre vie, de nos vies, nous invitent à implorer la miséricorde du Seigneur sur nos histoires, sur la congrégation et sur chacune de nous. Dans différentes écoles, collèges, lycées au Burkina Faso, au Bénin, au Tchad et en France, dans des centres de santé et paroisses, les commémorations du bicentenaire ont permis aux enfants, jeunes et adultes, chrétiens ou musulmans ou autres, d'être témoin de l'œuvre du Seigneur dans l'histoire de la congrégation, dans l'histoire de l'Église et du monde. En Fraternité Sainte-Marie, les chrétiens associés cherchent aussi comment faire rayonner et transmettre le message du Père Foyer dans l'Église et la société actuelle, l'adapter et trouver des chemins nouveaux.
la plantation de 200 arbres dans les différents pays et le projet de construire une école à Krim-Krim au Tchad sont des actions qui peuvent témoigner de l'engagement de la congrégation à apporter sa pierre aux côtés d'hommes et de femmes de bonne volonté pour la préservation de la maison commune. Pour favoriser la construction d'un monde fraternel où chacun puisse vivre dignement. Autant d'événements, petits ou grands, qui ont pu permettre un renouvellement de notre vie religieuse. La célébration en ce dernier jour de l'année jubilaire est un tremplin, une invitation à poursuivre la route avec un souffle nouveau et plus de créativité pour relever les défis de ce monde assoiffé de justice et de paix, confronté à l'insécurité, aux pandémies, aux dérèglements climatiques et à toutes sortes de turbulences. Si le monde vous appelle à lui rendre une espérance, à lui dire son salut, bienheureux êtes-vous. Par le renouveau qu'elle apporte, cette année jubilaire invite à nous engager dans l'avenir avec espérance pour vivre la fraternité sans frontières. Au chapitre de 2017, au sujet des descendants, nous disions en congrégation, à cette occasion, ouvrir une communauté dans un autre contexte ecclésial pourrait être un signe de vitalité spirituelle, une source d'enrichissement par la diversité culturelle. On ne donne pas parce que l'on a, on donne parce que l'on aime. Nous portons toujours ce désir et le remettons à la volonté du maître de la mission. En cette fête de l'Assomption, je reprends la prière du Père Foyer, confiant la congrégation naissante à Marie. Ma bonne mère, je vous confie tout notre avenir. Oui, c'est à la Vierge Marie que nous remettons notre avenir pour vivre dans quelques décennies le 300e anniversaire. En cette fin de célébration, laissons déborder notre reconnaissance. Que l'aujourd'hui donné par le Seigneur soit nourri de la richesse d'hier et plein du fruit pour demain. Animé par la force de l'Esprit, avec courage et confiance, sous les regards bienveillants du Père Foyer et de Saint François de Sales, continuons ensemble à avancer au large. Bonne fête de l'Assomption, bonne fête à toutes les Maries, il y en a beaucoup, je crois, dans la chapelle, et heureux jubilé à tous. Vous pourrez parcourir le sentier d'espérance qui retrace l'histoire de 200 ans de congrégation avec 11 panneaux et qui couvre la place que chacun prend dans le monde d'aujourd'hui. Ce soir, à la procession flambeau, nous y ferons mémoire. La marche retour du longeron à Torfou, qui devait avoir lieu le 25 avril, est reportée au dimanche 19 septembre. Une conférence avec deux intervenants, suivie d'une table ronde, aura lieu le 9 octobre pour les chrétiens associés et le dimanche 24 octobre à 14h30, ouvert à tous. Merci
aux nombreux acteurs qui ont participé à la préparation de cette célébration et de la fête. Et je dirais un merci tout spécial au Conseil Général qui a préparé cette année le bicentenaire et toutes ses fêtes avec beaucoup de soin. Tous nos voeux aux fêtes, aux sœurs jubilaires. Ensemble, continuons à vivre le charisme initié par Charles Foyer. Que la bénédiction du Seigneur vienne sur vous toutes et tous et qu'elle s'étende à toutes vos sœurs de par le monde. Le Seigneur soit avec vous.